Mais c'est une spécialité du coin, l'emporter à 10 contre 11 en infériorité numérique, c'est incroyable. Je sais pas, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on lâche jamais, quelles que soient les difficultés. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on est en infériorité numérique et on arrive à renverser des situations complètement compromises comme ce soir. Donc, il ne met pas de match en match. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il faut avoir un maximum de réussite, on l'a eu ce soir. Mais encore une fois, je tiens à les féliciter parce qu'il fallait du cœur, il fallait du courage et aussi un petit peu de technique quand même. Donc je trouve que c'était un match d'un très bon niveau et on est très heureux de l'avoir remporté dans les dernières minutes parce que mardi dernier, on avait perdu dans les dernières minutes, donc ça s'équilibre. Je vous ai vu beaucoup agacé parce qu'il y avait un manque d'envie, manque de niaque au cœur du jeu lorsque Lens menait 1-0. Ils vous ont bien écouté, peut-être qu'ils ne sont pas habitués à vous voir en colère comme ça. Ouais, je pense qu'il faut qu'on ait ça dans notre jeu, il faut qu'on ait un peu de folie de temps en temps. Et voilà, on a pris tous les risques, on est passé à 3 derrière, même à 10. Donc je trouve que l'audace a été récompensée ce soir. Et c'est très bien pour le jeu, même si je suis conscient qu'on a gagné contre une très très belle équipe lensoise qui m'a fait vraiment très forte impression. Stéphane, il reste 14 matchs, de ta 3 points du podium. On regarde ce podium, on regarde un petit peu en bas ou on regarde seulement en haut? Non, on est content d'être là, ce que j'ai dit, nous on savoure, on sait qu'il y a des équipes qui sont meilleures que nous. Maintenant, on profite des bons moments, c'est des bons instants. Ce soir, c'est que du plaisir, il faut qu'on continue comme ça. Après, on n'a pas de prétention, on a de l'ambition, c'est normal. Mais bon, je sais que les équipes qui sont devant nous vont être très très dures à rattraper. Enfin, ce soir, on prolonge un petit peu plus le rêve. Ça va se prolonger. Merci beaucoup, Stéphane.